Poète. Avec tous les gens bien qui sont clean, que j'ai vus aujourd'hui, avec tous les autres que je connais qui sont moins clean, mais que ça va, bon, avec Internet qui marche pas et tout ça, que ça va pas. Putain, le 23, du 23 au 24, c'était au 29 avenue Franck Pilate, comme ça. C'était balèze quand même. Merde, j'ai causé à des psychiatres, des psychologues, il y a plein de gens. Hein. Un centre de santé. C'est bien que l'industrie pharmaceutique, c'est tout fait pour vendre, hein. Il faut pas croire. Moi, c'était quand? C'était hier soir, ou avant-hier, je sais plus, c'est pas trop grave. J'ai préféré regarder Jacques Brel, mais il y avait tous les médicaments tout pourris. Et en Inde, ouais, les falsifications, enfin, l'industrie pharmaceutique, tu vois, c'est de la merde. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les cachetons. Tu peux pas savoir. Un plat, c'est beau. Là, y a rien qui veut connecter, y a rien qui, tout qui me fait chier. Donc on arrive à 3 h du mat. Bon bah voilà. Pardon, vous êtes fatigué. Ouais, je me suis levé à 8 h ce matin, ça fait au moins 3 ans que ça m'est pas arrivé. Mais j'ai passé une super journée. On m'aurait dit qu'il y avait des êtres humains. Bon, c'est sûr, ils portent pas des sacs de ciment. C'est sûr, ils sont tranquilles. Mais enfin, il y avait un esprit de l'ensemble. Bon, pas du devenir de l'ensemble, mais il y avait déjà quand même un esprit de l'ensemble. Enfin, c'était pas mal. Comment tu veux que je te dise? Et puis, si j'avais su, moi je croyais qu'on allait reparler après tout. Je gardais de la batterie, je gardais du film. J'aurais filmé tout d'un coup. Bon, j'avais un peu d'écran, mais j'avais pas de pied, j'avais pas. Puis, cette caméra-là, c'est pas pareil que l'autre. L'autre, elle est toute légère, on dirait même pas un portable, on dirait une calculatrice. Mais ça marche plus, les cartes mémoire sont pleines et puis tu trouves plus les fils. Comme ça. Moi j'ai bien aimé la journée, franchement. Et je peux rien transmettre, hein, ça marche pas. Je sais pas si ça vient des fils électriques de l'EDF ou de. Hop. Les virus, ils peuvent attaquer l'ordinateur. Hein. Moi, les bactéries sont mes amis. On peut rien faire, on peut rien dire, il peut rien se passer. Même dans les rêves, putain, je leur pète la gueule. Au moins, la police de l'espace, de toute façon, c'est moi aussi, je la connais. Hein. Dans l'espace-temps. Par contre, oh, ça, faut que je. Il y a un des psychiatres qui a parlé d'espace-temps. Alors là, celui-là, ouais, je veux toi comme psychiatre. Et passe dans les psychopathes. Hein. Oh. Moi, j'ai le doigt. Bon. Bon, rien du tout. Pas de doigt, il n'y a plus rien. C'est fini, ça. Tu ne te maries qu'une seule fois devant le bon Dieu. À la Lune d'Annonciation 2009. Entre la Saint-Habib et la Saint-Harissa. Oh, tu me dis, oui, quand j'étais petit, les gamins, ils avaient un 4 heures, ils avaient un goûter, un pain au chocolat, un machin, un truc. Et moi, ma mère, elle me faisait tartine à l'huile d'olive et à la harissa, un régal. Ah bon? Si tu veux. Je suis complètement d'accord avec toi. J'aime pas le mensonge et la corruption. Je suis l'acteur de mon film. C'est moi, c'est éternel, c'est la crise de Nice, c'est un truc. T'sais. Mais c'est pas pour vendre. C'est pas pour vendre. Mon âme n'est pas à vendre.
Je suis heureux de vous décevoir, les Macron en boîte, ce sont là. Les PD du pouvoir, là, les enculés de sa mère, de fils de pute, d'enculés. Et mon âme n'est pas à vendre. C'est tout. Le diable, je l'encule, je pète la gueule et je le défonce. Voilà. C'est pas méchant, hein.